Hello les gens, comment ça va? J'ai failli être en retard là. Franchement, je viens tout juste de finir de peser les ingrédients. Est-ce qu'il y a du monde par ici? 65 visionnages en cours. Oh bah on se laisse le temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'espère que vous êtes au courant. On va faire le vrai gras ensemble. Oui, avant je l'appelais tout simplement le faux gras, mais je l'ai renommé le vrai gras parce que il y a beaucoup de gras dedans. Donc, et puis à la fin, appeler tous les simili carnets faux, ça commence à être gavant. Bon, j'attends les derniers retardataires. Eh bien, c'est bien, il y a du monde, donc on va pouvoir commencer. Je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer les trucs qui doivent un petit peu mariner, je pense aux champignons, et après, je réponds aux questions. Donc, on va prendre... Déjà, je vous invite à faire chauffer l'eau. Donc, moi, j'ai commencé. On aura besoin de faire chauffer 250 ml d'eau. Hop, je redonne un petit coup. Et on va faire notre infusion de champignons. Ah, vous aimez bien le générique. Ouais, il y en a qui ne l'avaient pas vu. Le jingle. Alors, donc pour les champignons, je suis partie sur... Je prends 20 g de champignons, mélange forestier, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre soit des shiitakes séchés. L'important, c'est que ce soit des champignons séchés ou des bolets. Là, il y a un petit peu de tout. Il y a bolets, trompettes, shiitakes. Et donc, je vais mesurer mon eau. Ah bah c'est le direct, hein. Donc 250 ml. Hop là. On est précis, hein. On s'applique. J'enlève ce qui est tombé là. Et bien sûr, j'ajoute mes champignons. J'ajoute les champignons, je mélange un petit coup, histoire qu'ils soient tous en contact avec l'eau. Et là, on laisse une dizaine de minutes, donc je mets un chrono, mais vous pouvez bien sûr laisser plus longtemps, c'est pas gênant du tout. Hop. Donc je vais mettre pour 10 minutes. Je vais commencer à regarder les questions. Alors ça va? Vous faites infuser vos champignons, faites-le quand même rapidement parce que bon, 10 minutes, c'est assez long. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le vrai gras pour faire des sauces ou en farce? J'ai jamais essayé, mais c'est vrai que bon bah si tu le chauffes, forcément, il va se reliquéfier. Il y a la agar-agar qui va arrêter de faire son travail, l'huile de coco qui va fondre. Donc, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, si tu veux l'utiliser pour les sauces, j'ai presque envie de dire, fais-le au dernier moment. Ne mets pas la agar-agar, ne mets pas la agar-agar, et puis tu fais chauffer. Mais franchement, j'ai pas essayé hein, en version chaude. Je sais juste que ça se poêle pas. Il va fondre un petit peu. Même beaucoup. Ça va? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stériliser nos pots. Alors, c'est pas une étape obligatoire. Si vous avez vos pots qui sont propres du lave-vaisselle, ça va bien. Mais si vous avez des pots qui traînaient dans le placard depuis quelques semaines, depuis quelques mois, bon, je me dis que ça fait pas de mal de les stériliser un petit coup. Ça va pousser la conservation en fait. Parce que le faux gras, vu que c'est du gras, il se conserve quand même assez longtemps. Donc moi je l'ai poussé jusqu'à 15 jours sans problème. Par contre, je ne fais pas la stérilisation, vous savez, à la fin avec les torchons, l'eau, une fois que les pots sont remplis. Ça non, je ne fais pas et ça va très bien. Donc en fait, c'est après pour conserver au réfrigérateur. Mais ça permet d'être sûr quand même. Donc vous faites chauffer. Vous faites chauffer une grosse cocotte. Vous faites chauffer une grosse cocotte avec de l'eau ou à la vapeur. Moi, j'ai pris la version vapeur. Et regardez. J'ai mes petits pots. Donc, le poids final, ça donne 410 g de faux gras. Donc, on est à peu près sur ce volume. Je crois que j'en ai pris un autre pour être sûr. Non, mais là, largement, ce sera suffisant pour remplir le faux gras.
Hop. Pour éviter de se brûler, j'ai aussi une petite pince. Et oui. Et je vais prendre aussi un torchon pour pouvoir poser mes petits pots ensuite. Vous voyez ? Donc hein, l'eau commence déjà à être bien colorée. Ça sent bon. Et là, bien sûr, on ne va pas utiliser les champignons. Hein, les champignons, bah écoutez, soit vous pouvez faire un risotto, j'ai envie de vous dire. Vous les gardez, puis vous les faites snacker et vous faites un petit risotto. Alors, je regarde s'il y a des questions. Le lave a commencé il y a longtemps. Non, pas longtemps, on a juste lancé l'infusion de champignons. Là, on fait chauffer une grosse casserole pour pouvoir stériliser les pots. Et sinon, on n'a pas fait grand-chose. Tac. Ouh, mais ça va vite! Pourquoi on a besoin de deux casseroles? Donc, parce qu'on a notre grosse casserole pour stériliser les pots. Mais comme je dis, c'est pas obligatoire. Et la petite casserole pour venir fouetter notre vrai gras. La petite Isabelle cherche sa maman. Ah, il y a des gens qui ont des problèmes de flou, donc oui, il faut gérer la qualité sur votre YouTube, chez vous. Parce que normalement, il n'y a pas de souci de qualité. Bon, donc c'est bien. On a l'infusion de champignons. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les ingrédients. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient déjà fait la recette ou si c'est une première pour tout le monde. Donc, attendez. Bon, est-ce qu'on lance ? Je vais lancer. C'est bon, mon eau est chaude. Donc, je vais lancer ma stérilisation. Ça ne leur fera pas de mal. Je mets les couvercles aussi. Hein. Et je le mets, bien sûr, à l'envers. Parce qu'on s'en fiche un peu de l'extérieur. Tête vers le bas. Voilà, comme ça, retourner. Je ferme et je laisse quelques minutes. Hein. Ça va très vite. Je vais vous montrer les ingrédients. En soi, c'est pas compliqué, mais il faut bien s'organiser. Parce que justement, ça va vite après. Donc, est-ce que tout le monde a pesé ses ingrédients? C'était vraiment conseillé quand même, mais bon, j'ai le temps, je vais en reparler par la suite, donc je pense que vous allez avoir le temps de peser. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai oublié ce que j'ai mis. Ah si, j'en ai un autre. J'en ai un autre, comme ça je verrai lequel j'utilise. Donc on va essayer de ne pas se brûler. Il y a de la place. Oui, il y a de la place. Couvercle, pas trop. Voilà, comme ça. Allez. Donc je prends tous mes ingrédients. Hop. Tac, tac. Alors, donc déjà, j'espère que vous avez tous fait réhydrater vos noix de cajou dans de l'eau minimum 4 heures. Vous pouvez laisser plusieurs heures sans problème au réfrigérateur. Et sinon, si vraiment vous êtes à la bourre et que vous voulez faire cette recette un soir et que vous n'êtes pas pris en avance, vous pouvez toujours mettre de l'eau bouillante dans vos noix de cajou nature non salée et tout, non grillée. Et elles vont se réhydrater. Ce ne sera pas gênant parce que vu qu'on fait cuire l'ensemble, on ne garde pas la propriété des noix de cajou crues. Vous pouvez totalement vous laisser réhydrater avec de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Ce sera largement suffisant. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, je crois que tout le monde m'a demandé des remplacements à tout. J'avais pété un petit câble sur Instagram, mais je me suis calmée depuis. Je me suis calmée. Mais au moins, je sais par quoi on peut remplacer si vraiment... Je crois qu'on va simplement... on ne m'a pas demandé de remplacement au sel. Donc ça, je pense que le sel met tout le monde d'accord. Non, mais franchement, c'est vrai que vous voulez tout le temps tout remplacer. Mais on garde quand même les trucs pour que ça ait le même goût. Donc, on a nos noix de cajou, non grillées, non salées, ok. On a la levure maltée, 20 grammes. J'utilise toujours celle de chez Marcal, qui est plutôt, qui a un goût fromager, qui a du goût, qui a quand même du caractère. Mais c'est pas non plus un goût de levure très entêtant. Il y a des marques qui sont un petit peu plus fortes et moi je crains. Donc je trouve que c'est bon compromis, celle de Marcal. Après, on a pour la couleur un petit peu de concentré de tomate. Ça se sent pas, hein. C'est pas une terrine à la tomate, vous inquiétez pas.
On a une petite pointe d'acidité avec du vinaigre de cidre. Le sel, comme je vous disais. Ça, c'est quoi? Oui, c'est l'armagnac, c'est ça. Alors, l'armagnac ou du cognac, vous pouvez aussi utiliser du vin blanc. Il y en a qui ont utilisé du porto, mais le porto, j'ai peur que ça soit un tout petit peu trop sucré. Sinon, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? On m'a demandé le rhum. Non, je pense que le rhum, ça n'ira pas. Est-ce que j'arrêterai pas ma stérilisation, là? Oui, je pense que ça suffit. Donc, je vais arrêter. Combien de temps nos champignons sont en train de faire trempette? Ouais, il reste 2 minutes, mais comme je dis, on peut dépasser sans souci. Hein. Donc là, je vais prendre mes petits pots avec une pince. Hop. Et je les retourne. C'est bon, vous avez pu vous les stériliser ou pas? J'ai pas regardé du coup. Alors l'infusion de champignons, c'est bien 250 ml d'eau bouillante, oui. Et voilà. Nos couvercles aussi. Bon, ça, normalement, c'est vrai qu'il faudrait le faire dans les règles de l'art au dernier moment. Mais comme je vous dis, on laisse quand même au frigo. Hein. C'est pas, là, je suis pas en train de vous montrer comment faire des conserves. Voilà, donc ça, c'est fini. J'en étais où? Donc l'armagnac, voilà. Si vous ne buvez pas d'alcool, oui, très très important. Avant, ce que je conseillais, c'était de rajouter un petit peu plus de vinaigre de cidre. Genre une demi-cuillère à café en plus. Mais c'est vrai qu'on trouve des bières sans alcool. Donc ça peut être pas mal pour avoir un petit côté intéressant en goût. Et voilà. Après, on a du miso blanc. Alors oui, c'est bien du miso blanc. Il est foncé. Mais c'est bien marqué ça sur l'emballage. C'est parce que je l'ai pris sur Asia Marché. Donc il est un petit peu plus foncé que celui habituellement. Mais c'est le même. Enfin, c'est le même. Je veux dire, c'est du miso blanc. Miso blanc, blond, tout, c'est toujours pareil. Par contre, oui, ne prenez pas du miso brun parce que ce sera beaucoup plus fort en goût et plus salé aussi. Là, on recherche vraiment le petit côté doux, le petit côté umami, savoureux, vous savez. Tac, tac, tac. Ah, un remplacement pour la coco. Alors, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué, oui, donc du coup je mets de l'huile de coco désodorisée. Bon là je l'ai fait fondre, hein. Pour mixer vous la faites fondre, c'est mieux. Donc de l'huile de coco désodorisée, pourquoi désodorisée? Parce qu'on veut pas le goût de coco, là ça risque d'être trop désagréable, ça n'ira pas en termes de saveur. Après il y en a qui l'ont fait, mais je déconseille vraiment. Ah c'est bon, nos champignons, hop, arrêtez. Donc sinon, ouais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut une huile. On veut pas de l'huile de colza, l'huile de tournesol par exemple, parce qu'on veut une huile qui fige à basse température. Donc après, il y a la margarine, mais elle a un petit goût, ce serait un peu gênant, et puis elle n'est pas aussi ferme que l'huile de coco, vous voyez. Elle a toujours un petit côté crémeux. Du beurre de cacao, ah bah, alors très bonne remarque. Justement, j'avais hésité dans cette recette à inclure du beurre de cacao, qui est souvent utilisé dans les faux gras. Et en fait, c'est vrai qu'il a une texture assez sympa qui fond en bouche. Mais je me suis dit que vous n'avez pas trouvé. Donc du coup, je vais prendre de l'eau. Donc du coup, je suis partie seulement sur de l'huile de coco. Mais je pense peut-être refaire une version un petit peu plus ferme avec justement du beurre de cacao. Mais là, dans cette recette, il n'y en a pas. Après, oui, vous pouvez utiliser du beurre de cacao. Je vois pas d'inconvénient pour remplacer l'huile de coco, là. Ah, si on veut réduire la quantité globale, seul en manger, comment peut-on réduire les épices? Ouais, tu peux peut-être... ouais, 1/8. Ah oui, alors c'est vrai que moi j'utilise des cuillères doseuses hein, pour mesurer un quart de cuillère à café, 1/8. Donc, mais après, ce que tu peux faire, c'est qu'il se congèle. Il se congèle, après il se garde, comme je disais, 15 jours au réfrigérateur. Il peut se congeler si tu es seul, donc du coup, tu peux opter pour cette solution-là. Ou effectivement, réduire quantité par deux. C'est vrai qu'un quart, c'est pas forcément simple à mesurer si tu n'as pas de cuillère doseuse. Je viens d'ajouter les champignons, il me reste que 150 grammes. Par rapport à l'eau, j'ai pas compris. Pour la levure maltée, 20 grammes équivaut à combien de cuillères à soupe? Je peux pas vous dire. J'ai pas pris là.
il faut peser, il faut faire ça sérieusement. Non, on est un peu... Ouais... Là, je saurais pas dire, en plus c'est pas la vraie cuillère d'eau. 4. 4 à 5. Moi je dirais 4 à 5 grammes de cuillère à soupe. Donc c'est bon, est-ce que vous êtes plutôt pas mal? Vous avez pesé vos ingrédients? Je suis en retard, est-ce que tu as déjà mis les champignons à tremper? Oui, ils sont prêts. Ils sont prêts là. Mais bah vas-y, lance-les. Ah oui, alors ça, très important les champignons, parce que c'est là qu'on se rend compte que quand on écrit la recette, ou même quand on fait une vidéo, parce que souvent j'écris la recette sur le blog, enfin à chaque fois, bah, il manque quand même des petites informations en fait qu'on se rend pas compte, mais c'est pas forcément compréhensible de tous à chaque fois. Et en fait, bah, là j'ai donc mis mes 250 ml d'eau, j'ai mis mes champignons, et en fait vous allez voir que quand vous allez enlever les champignons, parce qu'on garde que l'eau infusée, je vous le rappelle, forcément il reste moins d'eau parce que les champignons ont bu de l'eau, et donc il va rester environ, même c'est 175 ml d'eau, enfin d'infusion. Et il y a des personnes du coup qui s'arrangeaient en fait pour mettre plus d'eau pour avoir les 250 ml d'eau. Donc forcément à la fin ils se retrouvaient avec un foie gras qui était plus crémeux. Alors que si vous mettez, comme je dis, vos 250 ml, vous laissez les champignons faire trempette, faire leur vie, et ben vous avez à la fin les 175 ml. Et c'est ce qu'il faut en fait, c'est la quantité qu'il faut pour mixer. Si on prend du beurre cacao, ce sera la même quantité. Alors je n'ai pas testé, mais oui, je pense que oui. Ah voilà, bah j'ai justement la question, Jenny qui me pose la question pour l'eau. Donc je pense que vous avez compris qu'à la fin, il nous reste 175 ml d'eau infusée. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas précisé. Après, je m'étais dit, ah mince, il y a des gens qui l'ont trop crémeux, j'essayais de comprendre pourquoi. Et c'est quelque chose qui pouvait revenir. Donc voilà, comme je vous dis, c'est souvent compliqué. C'est quelle quantité l'huile de coco? C'est 80 grammes. Et je l'ai fait fondre pour la mixer quand même. C'est mieux. Et huile de coco désodorisée, hein, j'insiste. Et voilà, Gwen avait rajouté pour avoir 250. Non. Tac, tac, tac. Ah, tu sais combien ça fait un quart de cuillère à café pour les cuillères doseuses en millilitres? Oh non, je les ai pas sur moi là. Mince. Tu dois les trouver sur internet, je pense. Ce sera saveur coco. Bah tant pis. Mais la prochaine fois, mettez pas saveur coco. Hein. Bon, on en est où du coup? Nos pots sont beaux, vous voyez, ils sont éclatants. Ils sont en pleine forme. Donc, il manque. Ah, pourquoi je l'ai mise là, la levure maltée? Donc, bah, on va mixer tout ça. Je vais speeder un petit peu. Mais je voulais que vous puissiez, vous prenez votre temps. Je vais enlever la cocotte, mais j'ai rien pour la poser. Alors, ouais, si, je vais mettre ça là-dessus. Eh bien, allez, on va commencer. Il n'y a pas forcément d'ordre. Ça va tout être mixé à la fin. Donc, nos noix de cajou qui ont bien trempé. Là, il n'y a pas forcément d'alternative aux noix de cajou. Les graines de tournesol, ça aura un goût un petit peu trop amer. Et ça risque de laisser des grains. L'amande, pareil. Vous savez, quand on fait du lait d'amande, et ben ça se filtre. Alors que la cajou, c'est un des rares oléagineux à une fois mixé. Bah, vous n'avez plus de grain. Si vous avez un bon blender, c'est vraiment un rendu qui est très lisse et très onctueux. Hop, je vais mettre mon petit concentré de tomate. Donc là, j'en suis à la phase mixage. C'est bon pour tout le monde. Je peux redonner les quantités à chaque fois. Donc on a 150 g de noix de cajou qui ont trempé. Après, elles sont en barre d'infos. Hein. Vous regardez la barre d'infos. Une demi... Non, attendez. Je vais m'emmêler les pinceaux, je crois. Une demi-cuillère à café de concentré de tomate, voilà, c'est ça. Ah, j'ai pas parlé des épices. Bon, ben, je vais en parler. Je les ajoute, donc j'en parle. Donc, on a... là, les épices, c'était tout un quart. Donc, un quart de cuillère à café. Oui, là, c'est vrai que si tu divises par deux... Bon, ouais. je me concentre. Donc, on a un quart de cuillère à café de 4 épices, un quart de cuillère à café de coriandre et un quart de cuillère à café de 5 baies. Donc, niveau remplacement, parce que je vous connais... C'est pas possible. Donc en fait, le 5 baies, si vous mettez que du poivre noir, ça va être trop fort. Ou alors, du coup, il faut en mettre moins. Mais le 5 baies, il n'y a pas que du poivre noir. Il y a de la baie rose, il y a du poivre blanc, du poivre vert, du poivre noir aussi. Du poivre de la Jamaïque aussi, je crois.
Et la coriandre. La coriandre, c'est de la coriandre moulue. J'ai oublié de dire, mais j'espère que vous n'avez pas pris les paquets de les... la coriandre fraîche. Non, c'est de la coriandre moulue. Si vous n'aimez pas la coriandre en temps normal, que vous trouvez que ça a le goût de savon, normalement, la coriandre moulue, ça ne fait pas le même effet. Je vous rassure. Après, moi, j'aime bien la coriandre fraîche. Hein. C'est sous-côté, c'est sous-côté. On a aussi donc, les 1 quart de cuillère à café de 4 épices. Là, le 4 épices, j'ai pris exprès pour vous demander, parce qu'il y en a qui m'ont demandé ce qu'il y avait dedans, en fait, comme épices. Donc, on a cannelle, gingembre, girofle, muscade. Bon, là, c'est un mélange du croc. Quand j'aurai fini, je pense que je prendrai un truc un petit peu plus quali. Mais, bah, voyez, hein, ça fait l'affaire. Hein. Ça fait l'affaire. Et donc, voilà, c'est des saveurs qui vont très bien, qui rappellent le foie gras, tout ça. Donc, on met. Allez. Je mets aussi le sel. Le sel, c'était une demi-cuillère à café. Faut quand même qu'il y en ait pas mal, parce qu'il n'y a rien d'autre qui sale. Un petit peu le miso et la levure maltée, mais voilà. J'ai oublié de vous donner le remplacement aux champignons pour la recette. Je vais vous le dire maintenant. J'ai pas eu la question, mais pour les personnes qui regarderaient le live après, la coriandre moulue en général, ce sont les graines, je crois. Oui, voilà, donc c'est les graines qui ont été moulues. Et donc, si vous n'aimez pas les champignons, alors, j'ai pas testé, hein, je vous le dis, mais je vous donne quand même une alternative. C'est-à-dire que, donc, du coup, il faut pas partir sur 250 ml d'eau, vous avez compris, parce que les champignons auront absorbé. Donc, on a 175 ml. Parmi ces 175 ml, ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre, une demi à une cuillère à soupe de tamari, réduit en sel de préférence, mais dans ce cas-là, il faudrait goûter. Il faudrait goûter pour voir si le sel, vous voyez, il n'est pas en trop. Donc le tamari peut être pas mal, parce que là, les champignons, ils ne servent rien du tout. Hein. Donc si vous faites l'option sans champignons au tamari, c'est possible, mais ajustez les saveurs. Hein, ajustez les saveurs. Donc j'enchaîne, hein, parce que je suis lente. Là, donc on part sur notre miso blanc. La levure maltée. Tac. J'ai oublié de parler de l'agar-agar. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients dans ce foie gras. Donc l'agar-agar, là c'est 1/4 de cuillère à café ou 0,5 g. Moi j'ai une petite balance qui me permet de mesurer précisément, mais ça j'avais fait la conversion, j'avais regardé par rapport à mes cuillères doseuses. Et ça tombait parfaitement sur 1/4 cuillère à café, donc vraiment aucun souci si vous n'avez pas de balance hyper précise. Et donc du coup, l'agar-agar, j'en ai parlé un petit peu en story, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi je vous conseille la marque Lima, qui est top, parce qu'elle n'a pas de goût en fait. Et que l'agar-agar, certaines marques peuvent avoir un petit goût d'algue, parce que c'est une algue à la base. Donc il y en a qui ont un goût d'algue, celle-ci elle est neutre, elle est très bien. Alors là, vous allez me dire, pour la quantité, je crois que j'avais testé avec une qui n'était pas top et ça ne se sentait pas. Ça va parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui donnent du parfum. On est sur des saveurs salées, donc ça peut passer. Mais si, par exemple, vous faites une panna cotta à la framboise, là, c'est gênant. Là, c'est gênant d'avoir une agar-agar qui a le goût d'algue, vous voyez. Donc là, pareil, je l'ajoute à mon blender. Hop. On n'en perd pas, c'est précieux. Est-ce que j'ai oublié de mettre ça? Bon, c'était le vinaigre. Je sais pas si je l'ai mis. C'est le vinaigre. Vous mettez bien le vinaigre de cidre. J'ai mon Armagnac, 1,5 cuillère à soupe d'Armagnac ou de cognac ou de vin blanc ou de Porto ou même de la bière sans alcool. Vous voyez, hein, j'ai trouvé des alternatives à tout. Je suis au taquet. Alors... on a notre huile de coco désodorisée et fondue. Pour mixer, ce sera plus pratique. Donc là, pareil, 80 grammes, c'était. On va filtrer ça. Notre infusion de champignons qui a eu des petites minutes de rab, hein, je vous avoue. Mais c'est bien, c'est bien. Je vais les transvaser dans autre chose. Je vais les mettre après là-dedans, dans une petite assiette, pour les garder pour ce soir. Donc là, j'ai peur d'en mettre de partout, je vous le dis. Non, donc on filtre. Donc on prend une petite passoire. On filtre, hop.
Non, ça va. Nos champignons sont bien réhydratés. Est-ce que je presse? Oui, bah vous, voilà. Vous remuez un petit peu, qu'il n'y ait pas trop d'eau qui reste. Et on les réserve, on les met de côté pour le risotto de ce soir. Je fais un petit peu de ménage avant de mixer. Je regarde s'il n'y a pas des questions en attendant. On peut remplacer le jus de champignon par du kelpamar? Oui, je pense aussi. Oui, très bien. Une cuillère à café de tamari, c'est déjà testé, c'est suffisant. Ouais, ça m'étonne pas. D'accord. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que, Alessia, tu mettais du sel? Tac, tac, tac. Je regarde s'il y a d'autres ingrédients. Donc, on met tous les ingrédients au blender? Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est simple, en vrai. Mais voilà, les petites choses à savoir. Oui, je voulais vous montrer l'Armagnac pour vous dire que j'achetais pas des grosses bouteilles, quoi. Je prenais... Il y en a plein, des petites bouteilles comme ça, en supermarché. Et du coup, ça me fait... Bon, là, ça fait depuis début Noël. Mais j'ai fait pas mal de trucs à l'Armagnac hein, pour les recettes. Hein. Puis bon, bah, le soir, hein, il fait tard. Non, mais du coup, bon, ça me fait en gros 2 Noël souvent. Voire 3. Mais j'en mets dans toutes mes recettes en ce moment. En ce moment, c'était un peu champignon, Armagnac, marron. Voilà, hein, c'est les saveurs de Noël. Oups. Je vais passer un petit coup pour que ça soit plus propre. Le moment de mixer. Je vais brancher mon blender déjà. Hop. Et là, alors là, je vais couper le son hein, parce que d'habitude, avec le montage, je coupe toujours blender. C'est quelque chose que je déteste quand je regarde une vidéo et qu'il y a le son du blender à fond. Ça m'exaspère. Donc, du coup, je vais couper le son. Je vais mettre de la musique à la place. Non, on mixe. Attendez, avant, je dis. Donc, on mixe à pleine puissance. Alors, ça dépend de la puissance de votre blender, mais donc, du coup, à pleine puissance pendant quelques minutes. 1 à 2 minutes, ça devrait suffire. Je mets un chrono pour voir combien ça donne. Allez, on fait ça. D'habitude, je fais à l'œil. C'est parti. Musique, mixage. Allez, let's go.
coupe le son. Et du coup, on est à 2 minutes, enfin 1 minute 50 de mixage. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont demandé pour le mixeur plongeant, alors je sais pas, je pense que oui, parce que les noix de cajou sont quand même assez tendres. Vous restez bien dans votre bol, voilà, vous mixez longuement, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais pour moi c'est faisable, je crois qu'il y en a qui l'ont fait, parce que ça m'étonnerait que toutes les personnes qui aient testé la recette aient à chaque fois un blender. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai peur que ça soit pas lisse. Bon, non, ça peut quand même. Avec un bras mixeur pour ma part, et c'est très lisse. Oui, voilà, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que, comme je vous dis, avec le trempage et les noix de cajou, ça va. Un robot, alors si c'est un robot lame S, ça risque d'être compliqué quand même. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. J'avais tout mis, hein. J'avais mis l'in... J'ai vu qu'il y en a qui m'ont demandé si j'avais tout mis. Mais oui, j'ai mis l'infusion, j'ai mis l'huile de coco. On m'a demandé aussi si juste des baies roses, ça allait. Je pense que oui. Oui, oui, c'est moins fort de toute façon, les baies roses, que du poivre noir. Donc, tu peux partir que sur baies roses. Et puis, allez, ça va être le moment de faire épaissir tout ça. Je vous montre la texture, déjà. Oh, elle est onctueuse. Magnifique. Il y a de la buée, non? La buée qui s'est mise. Alors, je vais prendre ma Maryse pour bien prendre tout le contenant. Pas faire de gâchis. Donc déjà, je verse. Vous voyez, la texture est déjà un petit peu épaisse. On va parler de la texture après. On va parler de la texture. Alors, j'allume mon feu, ma petite casserole. Comme je vous disais, c'est pour ça que je vous ai mis deux casseroles. Parce qu'une petite, ça suffit. Donc là, je mets... je me souviens plus si je faisais sur feu moyen, feu doux... Feu moyen doux, ouais, c'est ça. Donc on met sur feu moyen doux. Je le fais qu'une fois par an, hein, je ne me souviens pas de tout à chaque fois. On verse notre contenu. Et là, on utilise la Maryse pour ne rien gâcher. Au final, c'est une version plus économique. Si vous comptez les portions, après c'est sûr que du coup ça vous fait acheter peut-être un petit peu plus, mais c'est une version plus économique que si vous achetiez un faux gras tout fait du commerce. Et ça c'est bien. Et pour moi, c'est le meilleur. Non mais c'est vrai. Je trouve que par rapport à ceux que j'ai goûtés, si, à chaque fois il y avait un truc qui m'allait pas, donc c'est pour ça que j'ai fait la version maison. Après je pense en faire une autre version, peut-être un petit peu plus ferme encore. Mais déjà, celle-ci est très bien. Je me suis un peu basée sur la saveur du Laberry. Le truc un peu classique que tout le monde connaît. Qui est doux, vous voyez. Sinon, il y a celui de Marie-Sophie L qui est pas mal, mais qui a un goût peut-être un peu trop fort en champignons, je trouve. J'ai goûté aussi le Vec Gras. Alors, le Vec Gras, je l'aime pas trop parce qu'il est granuleux. Et il avait un goût fort de levure aussi. Après, il y a le Joie Gras de Jane Joy qui est pas mal niveau texture, mais qui a une pointe d'acidité en trop quand même. Hein. Donc voilà. Le Faux Gras de Gaïa, il est pas mal. Très fort en épices, plus fort que le mien encore. Et là, il y a un dernier, le Foie Green qui est sorti. Celui-là, je ne l'ai pas goûté. Mais c'est un des seuls qui peut spoiler. Donc là, il me reste un petit peu, je vais reprendre. C'est un des seuls qui peut spoiler, donc je sais pas. Après, j'ai pas goûté. Mais c'est vrai que, bon, généralement, il a du succès quand même, mon vrai gras pour les fêtes. Après, est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est trait pour trait pour du foie gras? Non, 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 c'est pas trait pour trait, bien sûr. Mais il y a l'idée, et puis c'est... Enfin, il y a l'idée. Il y a l'idée, la souffrance en moins. Et c'est quand même... c'est une très bonne alternative qui plaît aux omnis. Hein. N'hésitez pas à le servir à vos omnis à table. Donc du coup, et oh, on arrête de discuter, là. On fait chauffer, on lance le chrono. C'est bon, vous êtes au taquet, là j'ai mis dans le truc, j'ai lancé. Alors, donc, souvent ce que je dis, c'est que ça prend 3 minutes pour épaissir. Là j'ai l'impression qu'il est épais, déjà. Non, ça va, ça va. Je vais baisser un peu le feu. Vous gérez, vous êtes sur feu doux, feu moyen. Vous fouettez constamment. Et là, moi j'ai mis le chrono pour 4 minutes, mais ça va dépendre de votre feu, de la puissance. Je vous montrerai la texture qu'il faut atteindre, mais il faut que ça va épaissir. Ça va épaissir, clairement, vous allez voir que ça va être plus épais, que ça va brunir un petit peu en couleur.
Et en fait, ce qui, ça va porter, je laisse un petit peu 3 minutes, le temps que ça soit à température, c'est à peu près le temps que ça, qu'il faut pour que ça épaississe. Et après, je laisse souvent une minute pour que ça fasse des petits ploc-ploc pour activer la agar-agar. Donc moi, j'ai mis un petit chrono, mais après, ça dépend. Des fois, il est très bien en 2 minutes, des fois en 4. J'ai envie de dire, il faut surveiller. Donc vraiment, vous surveillez le feu. On met sur feu doux, feu moyen. On remue sans cesse, mais ici, moi, c'est un peu compliqué. Donc je mets feu doux, en fait, maximum. Et en fait, c'est déjà assez fort. L'induction à la maison, j'y arrive mieux. Donc on fouette. Je regarde si vous avez des questions. J'arrive à tout faire. Je l'ai cramé. Ah mince, ben non. Mais non, Alizé. Souvent, il y a trop de cannelle. Ouais, c'est ça, il y a un peu trop de cannelle. Tac, tac. On continue à fouetter. Faut pas que ça crame. Après, il y a des gens qui arrivent à le faire trancher. Alors, trancher, c'est quoi? C'est que ça fait deux phases, en fait. Il y a l'huile qui flotte sur le dessus. Et là, dans ce cas-là, c'est pas perdu. Si vous avez votre faux gras qui, par malheur, tranche, vous remixez un petit coup au mixeur plongeant. Alors là, pour le coup, c'est pratique d'avoir un mixeur plongeant. Et ça le rattrape. Hein. Pas de souci avec ça. Donc là, moi, je me suis mis vraiment feu minimum par rapport à l'induction. On est pas mal. Je laisse encore un peu. Il faut que ça épaississe quand même. Hein. C'est pour ça, des fois, on me disait « Oh, il a une texture trop crémeuse. » Alors, il va pas être hyper, hyper ferme. Enfin, si, en fait, quand vous touchez dessus, il sera ferme. Mais bien sûr, il sera onctueux à l'intérieur. Il sera fondant en bouche. Un petit peu tartinable aussi. Mais il faut pas non plus que ça soit liquide, tout mou. Déjà, il y a l'agar-agar qui va faire son effet. Et il y a aussi l'huile de coco, une fois froide, qui va se solidifier. Là, moi, je suis pas mal niveau texture. Hein. Comme je vous dis, c'est un petit peu à l'œil avec l'habitude. Vous en êtes où? J'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de sel. Ah mince. Tac, tac. Avec le Thermomix, ça ira aussi. Bah oui, oui, oui. Si tu as de quoi... le Thermomix, hein, ça mixe et ça cuit en même temps, c'est ça? Donc, ça va marcher. Hop. Pour moi, il est bien. Donc là, j'en suis à combien de temps? Vous voyez, il reste 30 secondes. J'avais mis 4 minutes. Donc on est à 3 minutes 30, 4 minutes. J'arrête. Il est très bien. Il a une couleur un petit peu plus foncée que peut-être dans ma vidéo. Parce que comme je vous dis, j'ai utilisé un miso qui était un petit peu plus foncé, même si c'était du miso blanc. Et hop, on continue de remuer. Et surtout, on met dans les pots très vite. Hop, donc là, moi, je prends une grosse cuillère, une petite cuillère déjà. J'hésite à remplir. Alors, je vais remplir le gros. Je vais remplir le gros déjà. J'ai l'impression qu'il y a une texture moins bien d'habitude. C'est le coup, ça va me le faire trancher, alors ça m'est jamais arrivé. C'est toujours ça les directs. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Ah là là. Bon, si j'ai un problème, je démoulerai et je donnerai un petit coup de mixeur, pas de souci. Je crois que je vais tout rentrer dans celui-là. Ça fera un beau faux gras, comme ça. Il y a un problème de texture. Bon, vous savez quoi? Je gérerai ça à la maison. Bah oui, voilà, c'est les aléas du direct. Normalement, ça ne fait pas ça. Voilà, mais ça arrive. Comme par hasard. Donc il a tranché un petit peu, là j'ai l'impression. Ce que je vais faire, c'est que d'habitude, je passe une baguette chinoise pour faire expulser les bulles d'air. Donc je vais passer un petit coup, remuer et ça risque d'aller... Ah ouais, bon, il a une texture un peu pourrie, ça va chez vous? Il doit y avoir des bulles, oui. Bon. Bah le mien, il est un petit peu foiré, là, je vous avoue. C'est la première fois que ça m'arrive, super.
Bon, c'est pas grave. Je vais donc là, ce que je fais, donc ce que je vous invite à faire, c'est de remuer avec votre petite cuillère, de votre petite baguette chinoise pour expédier les bulles d'air. Et puis là, je vais passer un petit coup de sopalin. Parce que forcément, on en met un petit peu de partout. Hop. Ah, c'est pas grave, hein, mais un peu quand même. Hein. C'est quoi tranché? Bah, c'est quand, vous voyez, il n'est pas uniforme. Il y a l'huile qui remonte un petit peu, là. Donc moi, ce que je vais faire à la maison, comme je vous dis, je vais mixer un petit coup et ça va aller. Mais là, c'est juste que j'ai pas pris mon mixeur plongeant. D'ailleurs, j'en ai plus, il m'a rendu l'âme. Donc je vais me débrouiller. Mais sinon, ça marche d'habitude. Hein. Plutôt crémeux chez moi, mais ça me va, d'accord. Bon, ok. Donc du coup, vous essuyez ce qui dépasse un petit peu pour que ça soit propre. Et après, on va le laisser refroidir, bien sûr. Mais c'est pas grave, ça arrive. Donc vous le fermez, vous le laissez reposer à température ambiante et après, bien sûr, vous mettez au réfrigérateur minimum 12 heures. Et le mieux, c'est 24 heures. Voilà, 24 heures, tant que les arômes se développent. Et non, mais ça va en vrai. Mais je repasserai un petit coup. C'est la première fois que ça m'arrive, comme je vous dis. Donc, preuve que ça... qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, une fois qu'il est pris au frais, après 12 à 24 heures, ce que vous pouvez faire, c'est faire la petite opercule de gras avec de l'huile de coco et une pointe, vraiment un tout petit peu de curcuma. Et comme ça, alors c'est plus un peu pour la blague visuelle, mais ça peut l'aider aussi à se conserver, parce que ça, comme ça, ça fait une couche protectrice, vous voyez. Ah, tac, tac. La texture est nickel, bah tant mieux, le mien a tranché. Un petit coup de mixeur plongeant. Ah, vous avez des soucis de... Mais si ça reste trop liquide, bah vous continuez de fouetter, hein. Vous continuez de fouetter. Il va bien épaissir. On met le couvercle, on le mélange chaud. Alors si, normalement, il est épais. Et si vous voulez, il commence à gélifier. Donc ce que je faisais, c'est que voilà, j'utilise ma baguette chinoise pour expulser les bulles d'air, mais c'est plus visuel pour que ça soit un rendu lisse autour. Mais c'est pas obligatoire. Ah, quelqu'un qui est bluffé. Fail, la bière est restée sur le comptoir. Ah bah t'as tout bu. Le mien tranche très légèrement. Alors oui, alors un petit coup de mixeur plongeant, voilà. Alors s'il est moins bien que l'année dernière, Gwen, c'est pas normal. C'est la même recette. Mais comme vous voyez, bah moi j'ai la même recette et bon là, petit loupé. Mais tout est rattrapable. Faut laisser le couvercle même si c'est chaud. Oui, tu peux laisser le couvercle, oui. Ah bon bah tant mieux qu'il y en a qui soient bluffés déjà par le goût. J'attends que vous le mettiez un petit peu. Ça ne fait pas de condensation le fermant. Maintenant pour l'hygiène, bah non, un petit peu. Il vaut mieux que vous le fermiez, que ça fasse un tout petit peu de condensation. Après de toute façon ça va sécher et puis le couvercle aussi est stérilisé. Enfin il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Tac tac tac. Ah bon, déjà, le goût vous plaît, c'est bien. J'espère que vous aurez mieux réussi en texture que moi. Hop. C'est bon, vous en êtes tout. Peut-être un peu trop salé, normalement non. Mais après, bon, ça peut dépendre des palais, mais normalement, c'est vraiment... Il n'y a pas de côté sursalé, hein. Alors, si tu veux faire des tranches, non, là, si tu le mets dans le pot, c'est pas pour faire des tranches. J'ai fait plutôt une version terrine en pot, qui est ferme quand même quand vous passez le couteau, mais vous pouvez pas le démouler et faire des tranches non plus. Non, non. Une recommandation pour une bonne marque de blender, oui, bah tu tombes bien parce qu'on me demande souvent. Donc le mien, c'est l'OmniBlend 5 que j'ai depuis un bail maintenant.
Et je l'adore. Il a, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je sais pas si vous connaissez le Vitamix, souvent qui est un peu le best, voilà, qui coûte 700€ et qui est vu comme le best. Bah, l'OmniBlend, c'est un bon mix. Enfin, il a une très bonne puissance et il est moins cher. Il me semble qu'il est autour de 250€. Si je me trompe pas. Tac, tac, tac. Ouais, et franchement, il est très bien. Bon, le bol est en plastique. Avant, j'avais un Magimix, mais je le trouvais bien moins efficace quand, par exemple, quand je faisais des smoothies verts, vous voyez, avec des épinards, ça laissait des petits morceaux, des petites branches. Alors que là, le smoothie vert, il est tout lisse, il est tout bien. Pour les soupes aussi, ça fait quelque chose d'onctueux, d'un peu mousseux. Il mixe vraiment très bien. Ouais, OmniBlend, voilà, c'est ça. Et le 5. En plus, on peut le lancer. Par exemple, j'aurais pu mettre, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais voilà, j'aurais pu mettre un petit programme de 90 secondes et il mixe tout seul. Donc, par exemple, si vous voulez faire un petit bout de vaisselle en attendant, ranger 2-3 trucs, j'ai pas de code promo, hein. J'aurais bien voulu vous en donner un, mais j'ai pas. Ouais, c'est un studio, mais c'est chez moi, mais c'est un studio, c'est en face. C'est l'ancien gîte qu'on a arrêté. D'ailleurs, je vais revenir avec une FAQ là, le premier, je pense. Et après le livre, oui, bientôt en précommande. La texture est crémeuse. Alors là, c'est normal hein, que la texture soit crémeuse. Attention, je sais pas si j'ai été bien claire, mais c'est crémeux mais épais. Et c'est qu'après que ça fige. Une fois que l'agar-agar aura refroidi, aura fait son effet, et une fois que l'huile de coco sera redevenue solide. Tac, tac, tac. Ça marche pour les glaces de banane congelées? Oui, tout à fait. Oui, très bien même. Ouais, ouais. Pas besoin, quasiment pas besoin de rajouter de liquide. Tac, tac, tac. Merci Myriam pour le try d'art à la caméra. Ouais, pas mal la technique de la baguette. Bah ouais, ouais. Oui, il y a toujours les lives en replay. Je les laisse en replay. Et là, je vais laisser mon petit loupé en replay. Oui, je suis ravie. Il y en a qui lèchent leur blender. Faites attention à l'indigestion quand même. Et oui, on applaudit Lisa qui fait un beau travail. Je vais faire goûter ça à ma famille de chasseurs sans leur dire. Et ben, il me semble que ça avait. Je me souviens qu'il y en avait qui avaient bluffé justement une famille de chasseurs bouchés avec ce faux gras. Bon, voilà, ça ressemble pas. Il y en a qui disent que ça ressemble plus à la mousse de canard. Pour tout vous dire, j'en sais rien. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Bon, bah j'espère que vous avez bien fini. Je vois qu'il y en a qui nous quittent, donc oui, on va être le moment d'arrêter. Mais je répondais encore à vos questions et je regardais surtout si tout se passait bien. Donc j'espère que ce live vous aura plu. Moi, c'est le dernier de l'année, du coup, je suis contente voilà, de l'avoir fait sur le vrai gras. C'était épique, surtout la fin. Je suis dégoûtée. Non, voilà, donc j'espère que votre fin d'année va bien se passer, que vous avez passé des bonnes fêtes, même en cette situation, en cette actualité très compliquée. Et puis, eh bien, suivez-moi sur Instagram pour être au courant, je pense, des précommandes de mon livre fin d'année, là. Fin d'année, début d'année. Il y aura des précommandes. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. On se fait des gros bisous. Bonne fête, joyeux Noël et à l'année prochaine. Pensez à vous abonner, à ne pas faire trancher. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Vegan.